Bonjour, nous allons tester deux produits aujourd'hui de la marque Tautronics. Ce sont des lampes à capteur solaire, donc qui vont s'allumer au passage de quelqu'un, c'est-à-dire avec un détecteur de mouvement. Voilà, le premier modèle, c'est celui-ci, c'est le TTHSL 001. Et voici le second, il s'agit du TTHSL 002. La seule différence entre les deux modèles, c'est uniquement donc le design. Nous allons ouvrir les paquets. Nous allons commencer par le 001. Juste pendant que j'ouvre le paquet, il faut préciser que la livraison était très rapide, 2 jours. Donc voici un bel emballage, le produit très bien protégé à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Voilà, avec du papier bulle. Voici de quoi le fixer à votre emplacement. Et voilà la lampe dans le papier bulle. Nous allons le découvrir ensemble. Voilà la lampe. Vous avez le capteur solaire ici et la partie qui s'allume ici. Et ça, c'est le détecteur de mouvement. Voilà pour le premier. Donc la fixation se fera bien entendu donc au mur en vertical. Vous aurez donc il faudra que vous puissiez qu'il ne soit pas trop abrité de manière à ce que le soleil puisse donc bien l'illuminer et qu'il puisse se recharger la journée. Et puis ici donc vous avez la façade LED. On a des petites protections qu'il faudra donc retirer pour augmenter la pénétration du soleil. Voilà. Et puis, de la même manière, au niveau des LED, vous retirez la petite protection qui se trouve ici. Au niveau de la recharge, il est annoncé environ 8 à 10 heures de recharge pour une illumination qui durerait environ 12 heures. Donc ça, on pourra le tester. Comme vous le disait tout à l'heure mon épouse, donc nous avons les kits de fixation qui est ici. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons procéder à l'ouverture du deuxième et après, on ira réaliser la fixation à l'extérieur et on verra ce que se donne ce soir. Au passage, je voudrais noter qu'on a une petite notice ici d'explication. Voilà. Donc, on la parcourira tout à l'heure. A priori, donc, anglais, allemand, français, japonais. Ça a l'air relativement complet. Des données techniques, des caractéristiques, le contenu du paquet. Ici, on a les spécifications. Là, ici, vous avez donc le petit schéma qui nous permet de comprendre un petit peu comment ça va fonctionner avec les distances. Et puis, les remarques, hein, la garantie. À noter que donc le site nous indique qu'au niveau garantie, il est garanti 12 mois et puis que la réponse du support est de l'ordre de 24 heures. Nous avons envoyé une petite question tout à l'heure, on verra en combien de temps nous recevons la réponse. Voici le deuxième produit. Nous allons procéder à l'ouverture du paquet. Voilà, là c'est pareil. Le produit est bien emballé dans du papier bulle. Le voici. Kit de fixation, pareil. Et petit mode d'emploi dans le carton aussi. Pardon, voilà. Mode d'emploi, kit de fixation et la lampe. Voici la deuxième lampe qui est plutôt de couleur claire. Cette fois-ci, le panneau solaire est à l'arrière et la lampe LED est à l'avant. Avec le petit détecteur de passage, pareil. Nous avons aussi les protections que nous pouvons retirer. Voilà. Au passage, je vous conseille peut-être de ne pas faire comme nous. Vous retirerez la protection une fois que vous l'avez fixée. Parce que comme vous allez faire un trou dans le mur, vous allez devoir le fixer, faire peut-être un peu de poussière. C'est toujours mieux de le retirer à la fin. Là, bien entendu, donc vous voyez, on expliquait le capteur solaire est ici. Donc, c'est une lampe qui va plutôt se fixer sur le mur de cette manière-là.
de manière à ce qu'il soit illuminé par le soleil, et en dessous, donc, vous aurez la lumière, donc typiquement au-dessus d'une porte. Voilà. Produit de belle facture, je dirais comme de l'aluminium, plastique qui a l'air rigide, robuste. Ce ne sont pas des produits qui ont l'air de mauvaise qualité, je dirais très, très solide et agréablement surpris au déballage. Voilà, on va procéder à l'installation et on vous montrera ce que ça donne. Ça va être vraiment un éclairage d'appoint, histoire de voir un petit peu où se trouve votre serrure, quand vous cherchez vos clés, etc. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre quand même à une lumière qui soit très importante, mais on le verra dans la pratique. Très bien, merci, à tout à l'heure. Voilà, alors je voudrais dire qu'au niveau du kit de fixation qui est fourni, vous trouverez à l'intérieur comme un petit trombone qui a cette forme-ci, voilà. Il s'agit en fait du petit pic qui va vous servir pour allumer et éteindre, mettre en marche plutôt, je dirais, le capteur. Donc il faut le faire avant que vous puissiez l'installer. Vous avez un tout petit trou ici où vous avez l'indication on-off. Vous appuyez dessus, vous rentrez, vous appuyez dessus, ça fait un petit clic et vous relâchez et vous avez mis en service le capteur. De la même manière ici, quand j'appuie, vous allez entendre un petit clic, écoutez bien. Voilà, là on l'a arrêté, et là si je rappuie, je le remets en marche. Voilà, de la même manière pour l'autre, donc ça c'est important, sinon vous allez dire que ça ne fonctionne pas. J'ai voulu tester en chargeant la batterie de la lumière pendant une journée, et puis le mettre dans un couloir où il fait tout nuit, et voir ce que ça donne. Donc ici, hop, on va éteindre la lumière, et on va voir ce que ça donne. Hop, alors on y va. Le capteur est allumé, vous voyez que la lumière est quand même assez importante. Donc on voit ici, hein, c'est celui-ci. La lumière est vraiment très très bonne et suffisante pour pouvoir voir une clé dans un sac, une serrure ou quoi que ce soit, des marches, où est-ce qu'on va pouvoir mettre les pieds. Je vais tester le deuxième. Voilà, maintenant de la même manière, je teste le deuxième capteur. Donc vous voyez, c'est la deuxième lumière ce coup-ci. Donc on peut se rendre compte de la différence, celle-ci est peut-être un peu plus intense, je dirais, et surtout elle est un petit peu moins, la lumière est un peu plus diffuse avec son diffuseur qui est là devant, donc ça va être moins violent pour les yeux, surtout si on est à peu près, voilà, donc pour la deuxième lumière, comme vous le voyez ici, eh bien je dirais qu'elle est un petit peu plus intense et un petit peu plus importante que la précédente. Elle a surtout l'avantage, en étant au-dessus d'une porte, de faire moins mal aux yeux parce que la lumière est diffuse. Voilà. Voilà quelques jours que j'ai installé le capteur et sa lumière au-dessus de notre porte d'entrée. Je dois dire que je suis vraiment très satisfait de la qualité de la lumière et puis surtout de la puissance. Alors quand je m'approche, vous allez voir tout de suite, voilà, la lumière s'allume automatiquement. Et vous pouvez constater que c'est quand même assez important, contrairement à ce que je pensais au début. C'est largement suffisant en fait pour pouvoir voir et trouver ses clés dans son sac, lire quelques lignes sur un bout de papier. Vraiment très intéressant au niveau de la qualité de la lumière. Alors on ne peut pas régler le temps et la durée, c'est-à-dire que c'est 30 secondes par défaut, ni le seuil. Dès la tombée de la nuit, il va s'éclairer, mais bon, c'est bien ce que l'on cherche. La détection est de l'ordre d'environ 3 mètres. Voilà, alors ici je vous ai installé donc le deuxième capteur pour être dans les mêmes conditions. Sur le côté de la porte, j'ai retiré celui que j'avais mis au-dessus tout à l'heure. Et puis de la même manière, quand je m'approche, il y a détection environ à 3 mètres. La lumière est très intense, comme vous pouvez le constater, pour largement voir une sonnette de porte, la serrure, le pas de porte, une marche éventuelle s'il y en a une. Vraiment très très bien au niveau de la qualité de la lumière et de la quantité, donc je recommande. Au niveau durée, je ne suis pas resté 12 heures devant pour voir si la lumière restait allumée pendant 12 heures. Cela étant, c'est largement suffisant à plusieurs reprises dans la nuit, j'ai fait plusieurs tests. Et puis il y a recharge sans aucun souci, je n'ai pas forcément beaucoup de soleil ici, c'était nuageux.
Et à chaque fois, la lumière s'est bien rechargée comme il faut pour pouvoir donner une qualité de lumière durant la nuit très importante. J'ai l'impression que la lumière latérale, comme celle que nous voyons ici, est un peu moins intense que l'autre qui permet d'éclairer par le dessus de la porte. Après, c'est un avis personnel. Celle-ci est peut-être un peu plus dérangeante parce que, suivant où elle va être placée, vous l'avez directement dans les yeux, tandis que l'autre est plus diffuse. Celle-ci est beaucoup plus directive. Voilà.